était une fois trois cochons qui s'en allèrent parcourir le monde pour chercher fortune. Le premier cochon décida de construire une maison. Il la fit en paille. Mais voici qu'un loup arriva par là. Il frappa à la porte et dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» Non, non, par la porte de mon petit menton. Alors je vais pousser et souffler et ta maison va s'écrouler. Il souffla et poussa, la maison s'écroula et il mangea le petit cochon. Aïe! Il m'a chassé de l'histoire. Pendant ce temps-là, le deuxième petit cochon avait construit sa maison en rondin. Peu après, le loup survint. Il frappa à la porte et dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» Non, non, par les poils de mon petit menton. Alors je vais souffler et pousser et ta maison va s'écrouler. Il souffla et poussa. La maison s'écroula et il mangea le petit cochon. Viens ici, on est en sécurité. Troisième petit cochon avait construit sa maison en briques. Waouh! Pourquoi vous n'avez pas été mangés, vous deux? On a échappé au loup. Pour de bon. Maintenant, on a plein de place. Regardez, hop! Explorons donc les loups. Ok, mais laissez-moi d'abord replier ça. Youpi! Oui! J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ding ding dong, le chat joue du violon. La vache fait un grand bond. Le petit chien de tout se manégerie. Et le plat avec la cuillère s'enfuit. Sortons de là! Où aller? Tout en haut d'une colline vivait un énorme dragon qui montait la garde et veillait sur une rose d'or. Le roi voulait à tout prix posséder ce trésor. Alors il envoya son fils aîné tuer le dragon et ramener la rose d'or. Suis-nous, dépêche-toi! Sauvez la vie, brave et noble pourceau. Je vous en prie. Regardez qui voilà. Bienvenue. Ding, ding, dong. Et maintenant, c'est quoi ça? C'est ma maison, je l'ai construite moi-même. Superbe! Un bien beau château! Et si on entrait? Bonne idée! Mais voici qu'un loup arriva. Il frappa à la porte et dit: Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison! Menton. Alors je vais souffler, pousser, et ta maison va s'écrouler. Aouh!